Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit en fait d'une vidéo de présentation. Donc c'est un de mes abonnés qui m'a demandé en fait de faire une présentation de mes machines-outils. Donc et plus particulièrement, il m'a demandé qu'est-ce que c'était que la vieille fraiseuse là qu'on peut voir derrière moi. Donc on y reviendra tout à l'heure pour ce qui est de la vieille fraiseuse. Et donc sans plus attendre, on va commencer par le commencement. Alors, ne regardez pas trop mon garage, il est en désordre. On a commencé donc avec un tour, donc Emco Compact 5. Quand je dis on, c'est moi et mon père. Donc ça, c'est un petit tour de modélisme. Il est équipé quand même de l'avance dans le sens longitudinal. Donc il ne permet pas de prendre malheureusement de grosses sections dans le mandrin. Là, c'est un tour de modélisme. Là, sur la vidéo, on pourra voir qu'il est équipé donc d'un porte-pince. J'ai aussi le mandrin qui va avec, mais il est en ce moment sur mon plateau diviseur. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un tour qui permet de faire des filetages. Voilà, voilà. Voilà pour ce qui était des grands points du MCO. Ensuite, on a donc une perceuse fraiseuse qu'on a fabriquée. Donc à partir d'une perceuse qu'on a fixée sur une mortaiseuse à bois qu'on a modifiée pour en faire une table croisée. Donc ça marchait pas trop mal. D'ailleurs, c'est toujours pratique, on s'en sert beaucoup pour le perçage. C'est toujours pratique en fait pour viser le coup de pointeau quand on est bloqué dans les taux. Voilà. Ensuite, donc on passe au Socomo, donc au tour Socomo Star 300, donc qui est le gros tour qu'on peut voir dans mes vidéos précédentes. Donc il s'agit d'un tour de 1974. Il est équipé donc d'avance dans les deux sens, donc longitudinal, transversal. De la vis-mère pour les filetages. Voilà, il a un mandrin de 25 mm donc qui permet de prendre des pièces relativement assez grosses en diamètre, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, donc il nous a fallu donc une vraie fraiseuse quand même. Donc là, on a une petite perceuse fraiseuse donc Promac FX382 qu'on peut voir aussi dans mes vidéos précédentes. Donc voilà. Ça, c'est une petite fraiseuse qui permet de faire du beau petit boulot, j'ai envie de dire. Et elle a pas d'avance, par contre. Il n'y a pas d'avance dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Donc, pour finir, la vieille fraiseuse. Donc, c'est une fraiseuse que je viens de finir de peindre il y a 20 minutes. J'ai passé toute ma journée d'hier à la nettoyer, à la dégraisser, etc. Donc c'est une fraiseuse sur laquelle je connais pas grand chose, malheureusement. Donc c'est une Cincinnati numéro 1,5. Je connais pas son année de sortie, etc. etc. J'aurais aimé avoir une notice d'utilisation, enfin une notice d'entretien pour tout ce qui est le graissage, etc. etc. Donc si vous avez des documents sur cette fraiseuse, je suis preneur. Voilà. Donc c'est, comment dire, elle est équipée donc d'une avance dans le sens longitudinal, donc que l'on peut voir ici par cardan. Donc c'est une fraiseuse à courroie, elle a 8 vitesses de rotation, ainsi que toute une panoplie de vitesses d'avance. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc à l'aide des manettes, les 3 manettes que vous voyez là en rouge là. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, pour l'instant, j'ai pas d'étau en fait pour mettre dessus. J'ai pas de gros étau, malheureusement. Donc voilà pour ce qui est de cette grosse fraiseuse. Donc vous la verrez sûrement travailler dans mes prochaines vidéos. Donc là, pour l'instant, elle est pas sèche. Je peux pas la faire tourner, rien du tout. Voilà, voilà, je vous dis à la prochaine et puis je vous dis à bientôt.